Lauréat, Centre d'éducation aux adultes de Saint-Hyacinthe, Acton. Partenaire du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration depuis 7 ans, le Centre d'éducation aux adultes de Saint-Hyacinthe, Acton offre des cours de français de tous les niveaux. En 2024, son équipe met en place le service d'aide académique en francisation afin de répondre aux problématiques d'adaptation des élèves dans leur apprentissage du français, en particulier pour ceux qui éprouvent d'importantes difficultés. Une communauté de pratique est formée avec 4 enseignants. Leur mission? Réfléchir aux meilleures stratégies pour soutenir ses élèves et recenser les pratiques efficaces. L'équipe présente ses conclusions au personnel enseignant, ce qui permet une prise de conscience et les aide à identifier les signaux précurseurs des difficultés majeures que rencontrent certains élèves, mais aussi les actions à entreprendre en classe pour faciliter l'apprentissage. Des changements de pratique sont rapidement amorcés. Un questionnaire est déployé pour détecter les élèves en difficulté dès les premières semaines, de manière à intervenir efficacement. Lors de la mise en place de ce service, des élèves sont ciblés et reçoivent un accompagnement spécialisé menant à des résultats encourageants. Les principaux défis concernent la gestion du changement et l'adaptation des pratiques du personnel enseignant pour répondre aux besoins des élèves et la création d'une expertise interne. Cette initiative permet aussi une intervention plus rapide et mieux adaptée auprès des élèves qui éprouvent de lourdes difficultés. Elle renforce également les services de soutien en francisation, tout en améliorant l'apprentissage et l'intégration des élèves.